Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Les amis, je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance de la semaine. Guidance à deux choix. Semaine du 5 au 9 août. Choix numéro 1, la sauge blanche. Bâton de sauge blanche. Choix numéro 2, la sauge sang du dragon. Choix numéro 1, choix numéro 2, les amis, vous choisissez en votre âme et conscience ce qui vous attire, ce qui vous appelle. Vous pouvez prendre un choix, mais vous pouvez prendre les deux aussi, hein, pour quelqu'un, pour vous-même, pour une autre situation, bien entendu. Je vous souhaite la bienvenue, merci de m'accueillir chez vous. Et nous allons tout de suite démarrer, si vous le voulez bien, avec notre choix numéro 1. La sauge blanche. Tout le monde connaît bien entendu la sauge blanche, mais savez-vous aussi qu'elle est d'Amérique du Nord? Bien sûr, c'est un encens qui est très convoité, la sauge, hein, sous toutes ses formes. Ici, on l'a sous forme de bâton. Mais vous savez, à la base, elle possède les mêmes vertus que la sauge officinale. En infusion, par exemple, ben, elle apaise les maux de gorge, les maux de ventre. En cuisine, je ne vais pas vous apprendre qu'elle fait des miracles, la sauge, hein. Mais bien sûr, c'est sous forme d'encens ou de bâtonnets à brûler qu'elle connaît le plus de succès. Et savez-vous pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'elle purifie, elle nettoie, notamment par exemple lors d'un déménagement. Vous savez, par exemple, on change d'habitation. Eh bien, avant d'emménager, par exemple, on passe dans toutes les pièces avec sa sauge pour purifier, pour nettoyer. N'oubliez pas d'ouvrir les fenêtres pour chasser tout ce qui est négatif. Vous pouvez aussi l'utiliser lorsque vous sentez vous-même le besoin de chasser des pensées négatives. Parce que la sauge, elle purifie et elle nettoie, mais aussi les objets et le corps. Rien ne vous empêche aussi, pendant de passer votre sauge, de réciter un mantra ou un texte. Veillez également, petite recommandation bien entendu, à ne pas respirer la fumée. Comme toute fumée, bien sûr, c'est toxique, alors on évite l'inhalation. Voilà les amis pour ce choix numéro 1. Pour ceux qui ont pris la sauge blanche, nous allons regarder dans un premier temps, pour chaque jour de la semaine avec l'oracle des rats, les problématiques ou les solutions ou en tout cas l'énergie qui va traverser votre semaine, semaine du 5 août, 5 au 9 août. Et c'est parti les amis pour notre lundi. Lundi, nous avons l'invitation. Il semblerait bien qu'on va recevoir une invitation ou on va en formuler une. Hein. Peut-être aussi, c'est simplement une convocation qui va vous arriver pour votre semaine, pour votre journée du lundi. Notamment, sachant que les énergies ne sont pas figées dans le temps, hein, ça peut concerner la semaine. On est en tout cas sur un rendez-vous, sur quelque chose qui va se formuler. Mardi, nous avons une erreur. Ah, est-ce vous qui avez fait une erreur ou y a-t-il une erreur vous concernant? Peut-être aussi que il y a une maladresse tout simplement qui a été effectuée vous concernant. Ou bien vous avez créé par inadvertance une maladresse, vous avez fait une faute, peut-être tout simplement une fausse opinion de quelque chose ou de quelqu'un qui vous préoccupe. Mercredi, nous avons le temps. Le temps, l'espace-temps, la période, l'attente, le délai. On est peut-être dans une attente de quelque chose, d'une nouvelle, d'un événement. Il semblerait qu'on vous demande aussi encore un certain délai sur une situation, sur quelque chose. Le temps peut vous sembler long également concernant quelque chose, une situation, un événement qui vous tient particulièrement à cœur. Jeudi, nous avons les projets. Est-ce en lien avec ces projets, ce délai, cette attente? Vous avez mis en place et sans doute, il y a un but bien précis. On voit aujourd'hui qu'il y a des intentions qui sont portées, qui sont menées d'ailleurs. Hein. On spécule sur quelque chose, sur un but bien précis, en tout cas pour cette journée du jeudi.
Et pour vendredi, eh bien, on va pouvoir mettre en place ce projet, ces idées. Il a été question d'attente, hein. Sans doute avons-nous été conviés, invités pour justement, tout est en lien autour d'un projet, de quelque chose que l'on souhaite mettre en place. On a peut-être fait une petite erreur ou on a eu une erreur de jugement. On vous demande une certaine patience pour la semaine. C'est bien en lien avec vos projets et on s'aperçoit bien que vous allez de toute façon trouver un engagement, un accord, une signature qui va être faite en fin de semaine, les amis. On voit très bien que vous allez être conviés à vous engager. Voilà pour nos amis qui ont pris la sauge blanche. On va regarder tout de suite avec notre Lenormand. C'est pas celui-ci, je fais des bêtises. C'est Lenormand de Marseille, notamment pour ceux qui choisissent qui font leur choix en fonction des cartes qui sont utilisées, que vous trouvez dans la description. Donc, ce ne serait pas très honnête que je me trompe. Le Normand de Marseille. Il est question de projet peut-être en lien avec la maison, hein, la famille, le foyer. Allez, choix numéro 1, semaine du 5 au 9 août. Semaine du 5 au 9 août. La coupe. Nous avons vous, ma consultante. Question de finances, sans doute, autour de vous, peut-être aussi. Une rencontre ou quelque chose qui est lié avec un employeur, un patron, quelqu'un qui a une certaine autorité, hein. Ça peut vous concerner, bien entendu, si vous avez, par exemple, rendez-vous cette semaine avec le patron, l'employeur. Peut-être question aussi, c'est tout, ça me fait sourire. Peut-être est-il question d'une perte de poids. Vous voyez ce que je veux dire? Des petits kilos en trop. C'est la période des vacances, on a peut-être aussi, on fait attention à son régime. Allez, deux professionnels, deux finances, deux sentimentales et deux imprévus, inattendus. Et au dos, on a, ben on retrouve vous, ma consultante. Beaucoup de sincérité, de fidélité autour de vous. Il va être question de faire un choix également, de prendre une nouvelle direction en toute sincérité, peut-être même accompagné de quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. On voit qu'il est question peut-être aussi d'une amitié, quelque chose de très très agréable autour de vous. Vous pouvez avoir confiance en quelqu'un. Peut-être c'est une question justement de faire route avec cette personne. Quoi qu'il en soit, on voit très bien qu'il y a de la sincérité, de la loyauté autour de vous. Un ami qui a beaucoup d'importance pour vous, hein. Vous allez prendre une nouvelle direction avec lui. Allez, professionnel. Professionnel, on est en attente de nouvelles, de quelque chose de nouveau qu'on souhaite mettre en place ou alors que l'on souhaite démarrer. Ce côté aussi atmosphère léger qui commence. J'ai l'impression qu'on a des nouvelles qui vont vous mettre en joie professionnellement. Alors peut-être un nouveau démarrage, un contrat, quelque chose de nouveau qui se profile à vous, je vous le souhaite, quoi qu'il en soit. C'est quelque chose qui vous met le cœur léger, hein. On est vraiment sur des nouvelles qui sont réconfortantes, qui sont très agréables. Il se pourrait bien également qu'il y ait un signe de reconnaissance, de nouveau départ, dans des démarches que vous avez effectuées, avec des nouvelles qui vous arrivent justement, avec une rapidité, des nouvelles qui vont vous mettre le baume au cœur, puisqu'aujourd'hui, on voit bien qu'il peut y avoir des nouvelles qui arrivent assez vite. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui vont vous mettre en joie. Et je vois bien que avec ce 9 de cœur, comme on voit là, d'ailleurs, c'est d'excellentes nouvelles qui vous arrivent, hein, les amis, hein, que ce soit professionnel ou dans la vie de tous les jours. Les finances. Les finances vont vous demander d'être un petit peu vigilant concernant vos finances. Attention à ne pas en prêter. Attention à gérer correctement les finances, les amis. Car sinon, vous pourriez bien vous retrouver bloqué. J'ai l'impression que peut-être on fait beaucoup de dépenses,
On est moins regardant, sans doute pour certains, pendant sa période de vacances, bien entendu. Il est quand même demandé d'être vigilant, car il n'y aura pas de rentrée d'argent pour certains. Je pense notamment aux gens qui sont en intérim et qui ont pris quelques jours de vacances. Il est vrai qu'ils ne sont pas payés, hein. Et ça, c'est assez compliqué. Et pour d'autres, c'est également, eh bien, si vous êtes à votre compte, profession indépendante. On prend quelques jours, mais on n'est pas payé. Il n'y a pas de rentrée d'argent. Le conseil qui est donné là, c'est d'être vigilant, que l'argent ne glisse pas trop dans les doigts, de faire attention à ses finances pour ce mois de, pour cette semaine en tout cas. Il peut être question également d'être vigilant concernant une femme autour de vous, dans vos finances, hein. Pas en prêter tout simplement, parce que vous ne retrouverez pas votre argent. Sentimental. Sentimental, on voit qu'il y a de la discussion et cette discussion peut amener un certain équilibre. Et d'ailleurs, c'est ce que vous souhaitez. On voit très bien que vous arrivez à échanger. Il y a beaucoup de discussions. Ces discussions peuvent amener à quelque chose, d'ailleurs, avec quelqu'un pour lequel vous êtes fortement lié, hein. Vous êtes attaché et il y a beaucoup de comment je peux dire, de pas de discussion, mais beaucoup de d'échanges. Voilà, je vais y arriver, hein. Il y a un beau contrat d'âme sœur là, hein. Célibataire, hein. L'impression que vous allez démarrer quelque chose de totalement nouveau, mais bien sûr, on voit que c'est une relation qui est libre, hein, mais elle peut aussi être de courte durée. Bien que pour certains d'entre vous, vous avez quand même envie, vous avez confiance dans cette relation, n'est-ce pas? La relation sentimentale, dans son ensemble, on voit qu'elle arrive à bon port, à une étape importante qui est là, qui arrive, et de ce fait, j'ai l'impression qu'on va pouvoir en discuter, échanger. Peut-être avons-nous envie de faire des projets sentimentaux pour cette semaine. L'inattendu. L'inattendu est dans ce côté quelque chose qui va être mis en avant, qui va être éclairé. Peut-être qu'il y a une mise en lumière sur une situation grâce à des solutions qui vont vous arriver d'ailleurs, hein. On voit qu'il y a beaucoup d'émotions également. Beaucoup d'émotions. Il peut y avoir une belle reconnaissance sur une certaine situation. La clé nous montre que vous avez. On va vous apporter, vous allez trouver des solutions, solutions qui sont amenées en lien à quelque chose qui va être mis en lumière, qui était dans l'ombre, qui va passer à la lumière, qui amène beaucoup d'émotions d'ailleurs. Si c'est dans le côté inattendu des choses, les amis, c'est que c'est tout simplement avec cette lune, on voit aussi qu'il y a peut-être une certaine peur du passé. Si ce voile qui va se lever peut-être en lien avec le passé pour certaines personnes, et on voit qu'on a peur que sa réputation soit mise en jeu ou soit entachée. Il y a beaucoup d'émotions, hein. Quel que soit c'est inattendu, donc si c'est ici, quelle que soit la situation du moment, on voit qu'avec cette clé, vous allez retrouver, vous allez trouver solution. Vous allez trouver, on va dire, comment sortir de cette situation si émotionnelle, délicate soit-elle. Elle concerne le côté émotion doublement, sentimental peut-être. D'où ce côté discussion, dialogue que l'on a vu des échanges sentimentaux. L'inattendu est que peut-être, sans doute, une mise en lumière, on peut crever l'abcès sur une certaine situation également, lever le voile sur quelque chose qui était pesant et qui touche le domaine sentimental. On voit qu'il y a beaucoup aussi, peut-être, si ça n'a rien à voir avec le sentimental, quelque chose qui arrive, qui est mis au jour et qui va vraiment vous impacter, hein, qui va vraiment vous toucher en fait. Il va y avoir une sensibilité qui va être doublement présente. Voilà déjà ce que l'on pouvait voir. Allez, on va faire un petit tirage avec le 77, les amis. Pour notre semaine d'une 5 au 9. 5 au 9. 5 au 9. Pour les personnes qui ont pris la sauge blanche.
Peut-être question de, tout à l'heure on l'a vu déjà, c'est de mettre à jour quelque chose, hein, des ennuis, quelque chose qui est autour de vous. C'est peut-être ça qui va être mis au jour, vous voyez. Ça peut être de la jalousie, ça peut être de la médisance, hein, qui n'en a pas, qui n'en, malheureusement, ça fait partie, j'ai envie de dire, de la vie. Après, on le prend, hein, et puis on le laisse. Regardez, de toute façon, avec la porte, on voit bien qu'il y a des solutions qui vont vous être trouvées, qui vont vous être amenées. Tout à l'heure, je vous l'ai dit d'ailleurs, puisque là, on a une proposition intéressante qui arrive, une offre. Allez, semaine du 5 au 9 août. Du 5 au 9 août. Au dos, nous avons l'œil fermé, le chagrin, la tristesse aussi, mais un moral en dents de scie, mais il peut représenter par rapport à ce que l'on a vu tout à l'heure, eh ben, beaucoup d'émotions en fait, énormément d'émotions, et tout à l'heure je vous l'ai dit d'ailleurs, hein. On coupe, les amis, on coupe un lien, on coupe une situation. Il y a peut-être une décision rapide qui va être prise là. On est sur une grande transformation, hein. Il y a une fin de cycle pour vous qui arrive. Pour certains, on passe une étape, on tranche, on coupe, on prend une décision de tourner le dos à une situation qui ne convient plus. Et c'est exactement un peu ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Quelque chose qui va être mis en avant. Et bien là, on le voit très bien, on passe une étape, il y a une fin de cycle, on coupe. On se défend aussi, hein, on prend une décision radicale. Et la décision radicale que l'on prend, c'est tout simplement d'abandonner. D'abandonner trahison s'il y a eu, la peine qu'il y a eu autour de nous. En tout cas, on voit que, y a un nouvel horizon qui arrive, qui est devant vous, et on tourne le dos au passé, hein. Pour certains, c'est lié à un secret, à quelque chose qui est mis en avant, que l'on a pu voir tout à l'heure également dans le Normand. Et ça touche le domaine émotionnel, sentimental, sans surprise. Mais là, vous avez une très très belle protection de l'univers également. Vos décisions sont protégées, les amis. C'est mieux que la clé, hein. On voit par ailleurs, on voit très bien qu'il peut y avoir quelque chose de soudain. Il y a l'inattendu qui est arrivé à vous, qui s'est proposé, qui est sous la forme d'ailleurs d'un coup de fil, de nouvelles. C'est exactement ce que l'on a pu voir tout à l'heure, hein. Là, on peut voir qu'il y a eu des nouvelles qui sont arrivées d'un coup, d'un seul, un SMS, un coup de fil, une communication. En tout cas, ça permet effectivement une grosse transformation, ça permet de passer à autre chose, on tourne le dos à une certaine situation pour pouvoir aller de l'avant. Et vous êtes protégé, c'est totalement magique avec avec cette carte-là, on voit que l'univers vous protège, on voit que vous êtes aidé, vous êtes épaulé, c'est vraiment une grande protection de l'univers, hein, d'ailleurs, hein. Par rapport à c'est soudain, effectivement, par rapport à cet imprévu qui vous arrive sous forme de messages, de SMS, de nouvelles. Fini là, le chagrin, la tristesse, mais ça va vous amener énormément d'émotions, les amis. On retrouve ce côté émotionnel, l'intuition qui est là aussi. Il y avait un gros ressenti, hein. Ce gros ressenti, il est bien présent, il est là, hein. On voit que vous allez devoir faire un choix d'ailleurs, mais une décision importante avec plusieurs possibilités qui arrivent à vous, les amis. Eh bien, si vous le voulez bien, choix numéro 1, nous allons passer au breloque de Chloé. Reste avec nous. Allez, les breloques de Chloé pour notre choix numéro 1. Semaine du 5 au 9. Semaine du 5 au 9. Alors,
En dehors du plateau, qu'avons-nous? Nous avons cette tortue. Cette tortue peut nous montrer qu'on a un petit peu peur au changement. Le changement nous fait un petit peu peur, c'est un petit peu logique, j'ai envie de dire, hein. Mais il y a également une certaine réflexion qui est menée, et ce, pour tout le domaine qui vous intéresse, hein. Et cette réflexion peut être menée totalement, j'ai envie de dire, intéressante, en réussite, puisque nous avons le trèfle. C'est le coup de chance qui est amené à vous pour cette semaine, les amis. Ce coup de chance, on voit qu'il a peut-être demandé à passer quelque chose de nouveau, une fin de cycle, une transformation. C'est exactement ce que l'on a vu déjà, d'ailleurs. Le fait aussi de se réinventer, quelque part. On peut voir que dans vos aspects d'argent, de finances, de biens matériels, nous avons le Bouddha. Le Bouddha, c'est une certaine sagesse. Tout à l'heure, il était conseillé de gérer avec sagesse ce mois d'août qui pouvait s'apparenter cette semaine un petit peu de difficulté. On voit très bien que la sagesse est de mise puisqu'elle vous est réitérée. Dans la famille, le foyer, les enfants, nous avons l'encre. L'encre nous montre bien qu'il est question d'équilibre, les amis. Il est question de stabilité avec une belle solidité, hein, qui est là. Cette solidité, elle est doublement armée, j'ai envie de dire, de paix et d'équilibre. On a le bonheur au niveau famille et foyer. Dans son bien-être, dans la santé, nous avons une jolie protection avec ce petit ce petit ange qui nous amène, qui nous dit, vous êtes guidé, il y a une protection, on l'a vu tout à l'heure, et vous voyez bien que c'est réitéré d'ailleurs, hein. Vous avez cette semaine, choix numéro 1, une jolie protection de l'univers. Vous êtes guidé. Peut-être qu'il y a des solutions qui vont arriver très vite, puisque nous avons ce cheval, le galop. Un élan de vitalité également dans la santé qui va revenir. Avec le conjoint et tout ce qui est relationnel, nous avons le cœur. Le cœur, les émotions. L'amour, évidemment, hein, avec le cœur, mais également un sentiment de bonheur. Des relations importantes pour vous aussi, autour de vous. Doublement de cœur, cela veut dire quand même que nous avons quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur là, hein. Avec cette fée dans la transformation, ben cette fée c'est la magie. J'adore la fée. La fée elle nous amène quelque chose de magique, hein, quelque chose de un miracle. Voyez, pour un projet qui va porter ses fruits. Nous avons aussi dans tout ce qui est déplacement et mouvement, lié d'ailleurs avec éventuellement les transformations, nous avons l'étoile. L'étoile, le chemin, la lumière, la direction que l'on va prendre, le guide également. Avec cette fleur, c'est un bel épanouissement, les amis. Un mouvement qui va vous apporter des ouvertures. La fleur, elle s'épanouit. Ça va toucher le domaine qui vous intéresse. Et avec ce soleil dans la carrière, le destin ou le travail, on a le soleil qui amène la lumière. Le soleil, c'est l'optimiste. C'est une bonne nouvelle qui arrive à vous avec cette plume tout en légèreté. La plume, c'est... on prend son envol. La plume nous montre aussi qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent dans la douceur, mais également... un message, et tout à l'heure on l'a vu qu'il y avait des messages qui arrivaient à vous les amis. Voilà pour les personnes qui ont pris le choix numéro 1. Si vous nous quittez maintenant, merci, merci pour votre soutien, votre fidélité à ma chaîne. Merci, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien écoutez, de nous rejoindre, de mettre un pouce j'aime, d'activer la cloche pour ne rien louper. Pour ma part, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bienvenue, choix numéro 2. On se retrouve pour les personnes qui ont pris la sauge sans du dragon. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, la sauge sans du dragon. Les peuples amérindiens, ils utilisent
Ils utilisent la sauge dans les rituels chamaniques, vous savez, pour bénir et guérir. Et selon les croyances, elle chasse les mauvais esprits, les influences négatives et les désordres psychologiques. Vous l'avez compris, elle a les mêmes effets que la sauge blanche, mais la résine sang du dragon accentue ses effets. Et qu'est-ce que le sang du dragon, me direz-vous? Eh bien, je l'ai appris en même temps que vous. C'est en fait une sève extraordinaire d'un arbre d'Amérique du Sud appelé le croton l'échléri, également connu sous le nom de cendre del drago. Cette dénomination, en fait, provient de sa couleur rouge comme ça, semblable à l'hémoglobine d'ailleurs, fort utilisée depuis fort longtemps en médecine douce, mais également en cosmétique pour ses différentes vertus. Elle est entre autres cicatrisante et antioxydante. Vous l'avez compris, la sauge trempée dans du sang du dragon décuple ses pouvoirs. Bien entendu, même conseil qu'avec la sauge blanche, on ouvre les fenêtres et on ne respire pas la fumée. Eh bien voilà les amis, pour notre choix numéro 2, nous allons regarder avec l'oracle des rats chaque jour de la semaine. Comment va se dérouler en fait votre semaine? Et c'est parti tout de suite pour notre lundi. Lundi, nous avons le sacrifice. Il va falloir sans doute tirer un trait sur quelque chose, se priver d'une situation, d'un objet, de quelqu'un, de renoncer ou tout simplement d'abandonner une idée reçue, un projet que l'on avait. Mardi, c'est peut-être lié avec un homme, malheureusement, ou bien cette situation est pour vous, mon consultant. Quoi qu'il en soit, il est question ici d'un homme. Ça peut être l'homme le plus proche de vous. On va reprendre une. Peut-être un homme d'ailleurs qui fait preuve d'une certaine froideur. Il semblerait qu'il est peut-être question pour certains d'entre vous de vous séparer d'un compagnon, d'un ami, d'un collègue, parce qu'il y a une certaine mésentente, une certaine indifférence liée à cette situation. Si tel n'est pas le cas, mon consultant, vous pouvez être concerné à un sacrifice que vous allez devoir faire cette semaine, car il y a une certaine mésentente autour de vous. Mercredi, on voit que vous allez prendre de la distance, hein. Quelle que soit la décision que vous avez prise ou la situation qui vous arrive, on voit très bien qu'il est question de séparation, de coupure pour certains d'entre vous. Donc, en lien avec un homme ou tout simplement pour vous, mon consultant, il est question de prendre pas mal de distance sur une certaine situation ou sur quelque chose. Jeudi, après réflexion, bien entendu, après avoir traversé ce moment douloureux, ce n'est pas toujours facile, on voit que vous allez prendre une certaine indépendance et vous allez vous retrouver comme libéré de ce choix. Par rapport à ce choix, peut-être compliqué, difficile à vivre d'ailleurs, à un moment donné, on va se sentir libéré, on va se sentir indépendant, pouvoir enfin, j'ai envie de dire, souffler. Peut-être qu'y avait-il des soucis à ce propos, d'ailleurs, manque de liberté. On est dans la délivrance pour ce jeudi. Et vendredi, on voit qu'il est question de justice. Alors, on a fait justice soi-même, on va prendre la justice. En tout cas, on est droit dans ses bottes. Il est peut-être même question d'une décision ou d'une procédure que l'on souhaite mettre en place. Lié en lien, je pense, à toute cette situation de votre semaine, choix numéro 2. Allez, on va prendre l'effet Lenormand pour voir un petit peu notre semaine du 5 au 9 août pour ceux qui ont pris le sang du dragon. Numéro 2, semaine du 5 au 9 août. Semaine du 5 au 9 août. Semaine du 5 au 9 août. Il est question ici d'émotion, de fidélité. Mais sans doute aussi,
de discussion avec peut-être un ami, un meilleur ami. On voit qu'il y a quelque chose qui est loyal. Alors, ça peut être le partenaire amoureux, mais ça peut être aussi amical. On voit très bien, 2, 4, 6, 8, 10, un projet également qui vous tient particulièrement à cœur, dont il va être question cette semaine. Un projet, un choix, domaine amoureux. Allez, 2, professionnel, 2, finance, 2, sentimental, et 2, inattendu. Au dos, on retrouve le cœur. Ouh, on va fêter quelque chose là dans le domaine sentimental. Une belle mise en lumière. La relation peut-être qui est mise en lumière, qui est éclairée, qui va être fêtée. On va peut-être régler, j'ai envie de dire, une situation sentimentale, la mettre, eh bien peut-être au jour en fait. Hein, l'éclairer tout simplement. Hein. Si tel est le cas, il y a des vrais sentiments là. Il y a une belle relation qui, de ce fait, va peut-être même être mise en lumière. Voilà le mot que je cherchais. Professionnel. Professionnel, il y a un bel ancrage, dites-moi là. Le travail a beaucoup d'importance à vos yeux, d'ailleurs, c'est ce que l'on peut voir, et vous cherchez de ce fait l'équilibre au niveau de travail. Hein. Bien sûr, il faut travailler dur, c'est pas toujours facile non plus, mais l'encre nous indique que vous êtes attaché à votre travail, vous avez notamment, vous vous êtes fixé certainement un objectif. On voit que vous maîtrisez, hein, d'ailleurs, parce que la clé, elle pointe vers la solution, c'est-à-dire qu'elle pointe vraiment vers ce que vous souhaitez mettre en place, que vous souhaitez, l'objectif que vous souhaitez atteindre, en tout cas. Vous vous êtes fixé un objectif, et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va vous en sortir, hein, de cet objectif. Hein. Travailler dur paye, j'ai envie de dire. Je pense que vous êtes acharné. Dans la vie de tous les jours, on a un équilibre qui va arriver, mais c'est pareil, il y a une situation pour laquelle vous êtes assez attaché et lié, qui vont vous permettre de mettre en avant, puisque des solutions vont vous être proposées. Les finances. On a des finances qui sont gérées assez, on va dire, sereinement. Il peut y avoir aussi une rentrée d'argent qui viendrait d'un travail collectif, d'associer, vous voyez, une rentrée d'argent à plusieurs, d'associés, d'amis fidèles, de gens de confiance. Vous voyez un peu comment ça vous parle. Mais là, il y a de l'argent qui arrive avec, ou en tout cas, il y a des questions de finances, d'argent, avec comme une entreprise qui a réussi, comme quelque chose que vous avez mis en place à plusieurs, et en fait, ça va prospérer, ça va amener une rentrée d'argent. Ça, c'est ce que je retrouve un petit peu pour certains, pas pour tout le monde. Hein. Avec l'oracle des rats tout à l'heure, où l'on voyait une rupture, on voyait une distance qui était prise, on voit bien qu'il y a une conversation qui va mener à rien, ou la conversation qui est là, elle va vous dire, elle va être menée dans le sens où on va mettre un terme, hein, tout simplement. La relation dépérit, et on voit bien qu'on va essayer d'en discuter, mais voilà, on voit qu'il va y avoir un gros chamboulement, un gros changement dans la relation. Les célibataires, on voit très bien qu'il y a votre solitude, vous avez le sentiment que vous avez peur qu'elle perdure. On voit qu'il y a des relations qui sont de courte durée, et vous posez des questions sur votre célibat, en fait. Hein. Pour les couples, tout va bien. Beaucoup de discussions, de dialogues et d'échanges dans le sens de faire une énorme transformation dans sa relation. Le cercueil, c'est le chamboulement aussi. Hein. C'est pas forcément quelque chose de négatif, d'ailleurs. C'est également mise en place de quelque chose de totalement nouveau. On arrête une situation pour démarrer autre chose. On fait des projets que l'on met en place qui apportent un gros chamboulement.
L'inattendu, c'est qu'on se sent un peu bloqué pour l'instant, ou empêché de quelque chose concernant les finances. Hein. Alors, on est prudent, bien entendu. Après, je peux voir aussi que c'est la fin pour certains des difficultés financières, puisqu'on a vu ici une rentrée d'argent collective. Hein. Mais pas que. La montagne, elle voit aussi que vous pouvez être freiné, bloqué dans un projet financier, évidemment. Hein. Peut-être aussi, est-il question d'avoir fait de grosses dépenses, des dépenses entre guillemets exagérées, sans jugement d'aucun. Hein. Mais on sent bien qu'il y a eu comme un problème avec les finances. Là. 3, 6, 7, 8. Il peut y avoir aussi un courrier administratif qui vous arrive dans ce sens, c'est-à-dire une petite mise en garde financière qui arrive du banquier, par exemple. On peut voir aussi un certain blocage pour certains d'entre vous dans un domaine que l'on souhaite mettre en place qui est lié à une autre ville, un autre département, une autre région concernant les finances, ou en lien en tout cas avec une personne, un homme qui est du lointain. Allez, si vous le voulez bien, on va prendre quelques cartes avec le 77. Pour le choix numéro 2, semaine du 5, 9 août, choix numéro 2, du 5 au 9 août. À la coupe, nous avons le soleil, la réussite, une joie qui arrive sur quelque chose qui démarre là, les amis, sur un nouveau projet que l'on souhaite mettre en place, comme si on faisait du, il y a du neuf qui se présente à vous, vous voyez, quelque chose de nouveau. Faites question d'une grossesse, d'une naissance, les amis, également pour votre semaine. On revoit ce soleil au dos, hein, quelque chose de complètement lumineux là. Alors, il est question de prendre un peu de temps pour soi là. Un repos, une détente. Certains parlent peut-être de la retraite également. Et oui, on met en place la retraite, les amis, pour certains d'entre vous. Hein. C'est acté, là. Et c'est très bien. Pour d'autres, on est peut-être question de vacances, de repos également. On est dedans, bien entendu. Vous me direz, je ne vous apprends rien. Peut-être aussi une certaine forme de détente que l'on va acter. Et cette détente, elle peut concerner aussi on est guidé, mais j'ai l'impression pour certains que vous avez comme certains n'ont pas envie de se rapprocher, d'être guidés, de faire une introspection, un retour sur soi-même, un pèlerinage, vous voyez un petit peu, un repli sur soi. On voit que vous allez l'acter en tout cas. Il est question là vraiment de prendre un peu du temps pour soi, pour réfléchir. Un éclaircissement qui va arriver également, qui va permettre d'ailleurs un éclaircissement. Je pense qu'il y a une lumière qui va être faite sur une signature, un engagement. C'est pour ça qu'on a besoin aussi d'un lâcher prise, presque. C'est quelque chose qui était caché. C'est quelque chose qui est précieux, qui vous tient particulièrement à cœur. On a du beau qui arrive là. Hein. C'est peut-être en lien d'ailleurs avec le passé. Il y a comme un retour en arrière, peut-être le passé qui va ressurgir d'ailleurs. Hein. Mais comme je le disais, il y a une réflexion de revenir sur soi. Je pense qu'il y a une introspection qui se passe pour certains d'entre vous, là. La foi, être guidé, le côté d'être comme un signe de l'au-delà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très fort, ce message-là. Je pense que
Cette carte me perturbe dans le sens où c'est quelque chose qui est platonique. C'est quelque chose qui, comme c'était une situation qui dure depuis longtemps, vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui est en lien avec le passé, qui vous tient particulièrement à cœur, qui peut être mise en lumière cette semaine, où il va falloir, les amis, où il va être possible peut-être également de vous ressourcer. Je pense qu'il y a quelque chose également qui vous tient particulièrement à cœur pour certains où il est temps de revenir dessus comme si ça a été lourd à partager, lourd je pense notamment aux gens qui ont travaillé dur, peut-être enfin la retraite qui arrive, qui va permettre vraiment de souffler sur cette vie qui était platonique. On voit qu'il y a le soleil là, hein, ne pas l'oublier d'ailleurs, hein, donc c'est quelque chose de totalement lumineux, hein, qui arrive à vous les amis, hein. On voit bien qu'il y a une mort, une renaissance, c'est-à-dire on passe une étape, il y a une fin de cycle qui arrive pour vous là. On est bien en phase d'un nouveau projet qui se met en place. Et ce que l'on voit aussi avec nos cœurs, c'est qu'il est bien question de quelque chose qui nous rapproche. On trouve un terrain d'entente, on va se rapprocher aussi avec soi-même ou avec l'autre, puisqu'on va être rendu beaucoup plus disponible. On voit bien qu'on est à l'écoute également. Il va être question d'être à l'écoute. Il va être question d'écouter les conseils que l'on va vous donner aussi. Alors vous pouvez, si vous êtes très connecté avec vous-même là pour cette semaine, écouter aussi sous forme de musique un son, un message qui peut arriver. Vous voyez, vous pourriez apprendre quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur d'ailleurs, hein. On voit que les choses avancent, les choses vont évoluer en tout cas, quelles qu'elles soient, puisque nous avons un beau départ là. On a aussi quelque chose qui se met en place vers l'étranger ou voire un déménagement et c'est complètement lumineux. On va vers le changement, hein, pour ceux qui ont pris le choix numéro 2. Allez, on va regarder un petit peu avec les breloques de Chloé, voir ce qu'il en est, les amis, avant que je vous libère. Allez. Choix numéro 2, les breloques à Chloé. Alors, en dehors du plateau, les amis, nous avons la fleur. Je suis pas étonnée, la fleur, c'est quelque chose qui va se développer. On est sur une ouverture, sur quelque chose de totalement nouveau là, avec un bel épanouissement, hein, et est tombé l'ange, forcément, puisqu'on sent bien que vous êtes guidé cette semaine. Choix numéro 2, vous êtes bien accompagné, il y a une super protection proche de vous. Avec cette lune, on voit bien les émotions et les rêves également qui sont là. Il y a comme des émotions que l'on cache et qui vont être mises en lumière, c'est ce que l'on voyait, et elles vont bien être mises en lumière avec ce soleil, puisqu'il est tombé là aussi. Et bien entendu, on voit qu'il va y avoir des bonnes nouvelles, on voit qu'il y a de optimisme qui arrive à vous, les amis. Avec cette étoile, on est vraiment sur la lumière, visiblement, avec ce vœu, avec la direction, ce nouveau cycle que l'on va prendre. Et pour vous, mon consultant, pour votre personnel, pour votre moi, votre ego, il y a quelque chose de rapide qui arrive à vous. On voit avec ça un élan de vitalité là. Vous allez prendre une certaine indépendance, je pense, les amis. Concernant la communication, un petit peu à cheval avec la famille, quelque chose qui vous a fait peur, qui n'a pas avancé assez vite. Eh bien, on voit bien que c'est en lien avec le cœur. Aujourd'hui, même si les choses n'ont pas été, ça a demandé une certaine introspection, on le voit bien, peur du changement également, hein, qui peut concerner évidemment le côté amoureux, mais qui peut concerner aussi tout simplement l'émotion, le sentiment, les relations importantes qu'il y a autour de vous. On voit que dans vos passions, activités, créativité, il y a eu ici un nouveau cycle. On voit qu'avec cette croix, il y a quelque chose qui est passé, il y a un achèvement, il y a une transformation. Cette transformation, doublement, on la voit avec cette roue, puisqu'il y a un mouvement, un changement, un déménagement peut-être, ou en tout cas un cycle nouveau qui arrive à vous.
On peut voir aussi que dans tout ce qui est transformation et crise, vous avez la feuille. La feuille, c'est la légèreté, c'est le renouvellement et c'est encore un signe de cycle, nouveau cycle. Dans vos déplacements et dans vos voyages, quelque chose avec ce hibou me dit que c'est fait tout en sagesse. Il y a une belle paix, un bel équilibre qui arrive à vous doublement. Alors, travail ou bien tout simplement vie de tous les jours, votre destin. Avec ce Bouddha, les amis, on retrouve cette sagesse. On retrouve cette paix intérieure qui est là, qui est bien présente puisque vous êtes accompagné, guidé, hein, dans les projets, dans les espoirs, oui, avec ce trèfle, eh bien, c'est l'abondance au sens large. C'est une réussite, c'est les honneurs et la joie. Très forte protection, choix numéro 2, qui est très présente hein, dans ces tirages, et c'est très bien. Voilà les amis. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance de cette semaine, du 5 au 9, vous aura parlé, vous parlera. Merci pour votre présence, votre fidélité à ma chaîne, les amis. Merci pour tout. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, à partager, à liker, à mettre un pouce j'aime. Merci pour tout. Je vous souhaite pour ma part une excellente semaine et je vous dis à bientôt.